Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui l'Irfouat, Arav Baruch, Shmuel, Ben Léa, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine venue, ça contacte les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Megillah, Perik, Dalet, Mishnah, Alef, Akoret, Megillah, Omet, Yoshev, Kra, Echad, Karouach, Naïm, Yatsu. Makom, Shenagou, Levarech, Yevarech, Shelo, Levarech, Lo, Yevarech. Bacheni, Bachamishi, ou Beshabbat, Bemincha, Korin, Shlosha. Ein, Pochatin, Ben Mosifin, Aleïen, Ve'en, Maftirin, Banavi, Apotech, Vachotem, Batora, Mevarech. Une petite mention quand même des lois de Megillah, comme on a dit depuis le début du Perek Gimel et jusqu'à la fin du Perek Dalet, on va presque plus parler des lois de la Megillah ni de Purim, on va parler de manière générale sur toutes les lois en rapport avec la lecture de la Torah en public, on a vu dans le chapitre précédent les différentes séquences à lire à toutes les occasions. Maintenant on va voir la manière de le lire, le nombre de personnes qui montent à la Torah à chaque fois. Et là on va commencer d'abord avec un petit rappel de la Megillah en nous disant que Akoret HaMegillah, celui qui lit la Megillah, Omed Veyoshev, on peut lire la lire debout ou assis, a priori même. Il n'y a pas d'obligation de se lever. Je crois que quand on l'a lu en public, c'est pas précisé cette fois-ci, mais en tout cas, quand on l'a lu en public, je crois qu'il y a une obligation de se lever. D'accord? Je ne veux pas que c'est précisé, mais en tout cas. Mais en tout cas, celui qui veut se quitter de sa mitzvah, il peut la lire aussi assis sans aucun problème, à la différence du Sefer Torah, où il faut nécessairement la lire debout. C'est début de Moshe Rabbeinu, là-bas, que Batapo Amod, il m'a dit, il faut se lever pour étudier la Torah, enfin, pour au moins écouter la Torah. Kra'a Echad, Kra'a Shnaim Yatsu, une personne qui la lit, ou même deux personnes qui la lisent ensemble, ils s'acquittent. Il faut savoir que de manière générale, on a une règle que très calé lo mishtam'e. Deux voix ne sont pas discernées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'acquitter d'une mitzvah qu'il faut écouter quelque chose, avec deux personnes qui font la bracha en même temps. Imaginez, je veux m'acquitter du kiddush de deux personnes qui vont dire simultanément le kiddush. Et bon, on ne peut pas s'acquitter comme ça, parce que forcément, je vais arriver à un moment où je vais perdre la boule, au lieu d'écouter un, je vais écouter l'autre, je ne peux pas rester concentré sur un. Il y a quelques petites exceptions à la règle, en l'occurrence, on a ici l'exception, c'est la Megillah, parce que, comme nous dit l'Agma, Aïdé de Chaviva, puisqu'elle est tellement Chaviva à nos yeux, on aime tellement la Megillah qu'on peut avoir des gens qui vont taper avec des casseroles et des cuillères autour de nous, et ça ne va pas nous déranger tellement qu'on aime cette histoire, d'accord? Donc, ça c'est pour la première partie. Deuxièmement. Dans les endroits où on a l'usage de faire la bracha, on dira la bracha sur la Megillah. Si on n'a pas l'usage de dire la bracha, ben on ne dira pas la bracha. De quoi on parle? On ne parle pas de la première bracha. La première bracha de Al-Mikra Megillah, elle est obligatoire. D'accord? Ça, c'est la première bracha. Pour la deuxième bracha, que Baruch HaTashem, Ma'arav, Etrivenu, Badan, Etidenu, Vadokem, Etikmatenu, la bracha qu'on lit après la Megillah, Alors ça, ça dépend de l'usage. Si on a l'usage de faire cette bracha, on pourra la dire. Si on n'a pas l'usage de la dire, on n'aura pas besoin de la dire. D'accord? Il n'y a pas d'obligation à la dire. Ok? Ensuite, il y a par ça l'histoire de Shehechianu, il mentionne le Bartanora, qu'il faut aussi dire Shehechianu au moins le soir pour toutes les mitzvot du jour, même les Ashkenaz la disent le matin, les soirs avant, parce qu'on entend dire la bracha de Shehechianu plus la veille. On continue. Bacheni Machamishu Beshabbat Mamincha Kurin Shlosha. Le lundi, le jeudi et le Shabbat Amincha, alors Korin Shlosha, il faut trois personnes qui montent à la Torah et qui lisent. En pochatin mehen, ve en mosifin aleyem. On ne prendra pas, on ne fera pas monter moins que trois personnes. On ne rejoutera pas plus que trois personnes. Soit, vous savez que des fois le Shabbat, ou à toute occasion pour les fêtes, on a envie de faire monter plus de personnes, on a le droit de rajouter. Ça s'appelle des mosifin. On a le droit de rajouter plus de personnes. Au lieu de monter et d'inviter 5, 6 ou 7 personnes, on va apprendre dans tout le chapitre. Est-ce qu'on fait monter 3, 4, 5 ou 6 ou 7 personnes, selon le Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, eh bien, si on a envie de faire monter plus de personnes, on pourra aussi le faire. D'accord? Pourquoi pas? Ça fait rentrer ça remplit un petit peu les caisses de la Beth Knesset. Pas de mal. Maintenant, quand c'est le lundi et jeudi, tu n'as pas le droit d'ajouter, tu n'as pas le droit de dire 4 personnes. En Maftirin, Benavi, la Mishnah me dit, et durant ces jours, quand tu lis le lundi, jeudi et à Shabbat à Mincha, on ne lira pas de maftir ensuite. Il n'y aura pas de haftara de lire dans le Navi. Pour quelle raison? Lundi et jeudi, les gens sont passés partir au travail. On ne va pas. Les gens, on leur a dit de rester pour de la Torah. Bravo, parce qu'il ne faut pas rester trois jours, pas passer trois jours plus sans Torah. Mais quand même, on ne va pas les retenir trop longtemps, sinon ils ne vont pas tout le retenir en place, ils doivent partir travailler. Donc il n'y a pas de maftir. Et le Shabbat, parce qu'ils rapportent là l'usage, ils avaient l'usage d'étudier la Torah durant toute la journée. Il y avait des drachotes. Et puis après, vers Mincha, il fallait ensuite, après Mincha, rentrer chez soi,
Chez soi, pour faire sauver le nasu de Shilit, il ne fallait pas faire traîner le public davantage. Ensuite, Apotear vachotem batorah mevarech lefana ou lacharea. Celui qui ouvre et celui qui ferme dans le Sefer Torah, eh bien, il fera la bracha avant et après. Soit, on a dit, il y a selon le cas 3 personnes, ou il y aura même 7 personnes au Shabbat, par exemple, qui montent. Selon ce qui est écrit dans la Mishnah, il n'y a que le premier qui commence à dire la bracha de Hachar Bacharban, Mikol Amim, et 7 personnes montent un après l'autre, sans refaire de bracha au milieu. Lorsque le dernier monte, le Shvi, Mashlim, alors il arrive à la fin, et puis il dit la bracha de Hachar Natan Lanu et Torah Torah Temet. Ça, c'était comme ça la takana initiale. Après, dans la Gemara, elle rapporte déjà que Rami m'a instauré que non, il faut que pour chaque personne qui va monter, on va faire la bracha auparavant et ensuite, de peur qu'il va y avoir des gens qui vont arriver en plein milieu du Sefer Torah, ils vont se dire « Ah, il faut pas, on peut lire la Torah sans faire de bracha. » Puisque, donc, j'imagine qu'à l'époque, dans un premier temps, les gens arrivaient toujours à l'heure, donc il n'y avait pas de problème. Mais après, quand les gens commençaient à arriver en retard, alors on s'est dit que y avait, ça allait être dangereux que les gens croient qu'on a le droit d'étudier la Torah sans prononcer de bracha. Donc du coup, on a instauré que chaque personne qui monte, il doit faire la bracha avant et après. D'accord? Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Sela.